بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كيرا. Bonsoir. Dieu dit dans le même chapitre, التوبة, de repentance, يقول, قل, إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Donc tu dois le adresser ces réalités-là. قل إن كان أباؤكم, si vous traitez vos parents de façon qui peut léser l'islam. قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم votre progéniture وإخوانكم vos frères et وأزواجكم vos épouses وعشيرتكم vos clans وأموال اقترفتموها des richesses que vous avez amassées وتجارة تخشون كسادها et aussi vous avez peur d'avoir un commerce qui ne va pas donc qui est en état de régression de récession وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها et puis des demeures que vous préférez à ce qui va suivre, c'est-à-dire, vous préférez tout ça à l'égard de Dieu, vis-à-vis de Dieu, sur le son prophète que la paix d'Allah soit sur lui, au jihad, et la guerre sainte, vis-à-vis, c'est-à-dire dans le sens divin, dans le sentier d'Allah. Donc, préparez-vous à quelque chose qui va être très catastrophique, jusqu'au moment où Dieu va vous frapper par son courroux et par sa justice, parce que ceux qui inversent les lois divines ne doivent s'attendre qu'à ce qui est mal et ce qui est souffrance. Et Dieu ne guide jamais ces gens-là qui sont des transgresseurs.